Voilà la tueuse d'araignée à toile d'entonnoir. C'est elle qui entoure le cauchemar d'arachnophobe. L'araignée à toile d'entonnoir de Sydney est la plus dangereuse d'Australie, car dans un premier temps, son venin est l'un des plus toxiques du monde. Mais attends, c'est pas tout, son venin, il s'est pris pour je ne sais qui, je ne sais quoi. Il est aussi mortel. Alors, il manquait plus que ça. Les bêtes là, elles se prennent vraiment pour le number one, hein. Non, mais on va où là? Aucun autre primate, ni les chiens, ni les chats, ne peuvent mourir de ce venin, qui ne leur font absolument rien. Ce venin de défense a été construit par la nature pour tuer en moins de 30 minutes. Ouais, ouais, le même temps que tu mets pour digérer un McDo. À la personne qui fera un peu trop le gigolo, t'as vu? En osant exister sur le terrain de cette vilaine bête. Mais attends, les masculins de cette espèce-là, ils sont trop fous béambulants. Ils sont tout le temps à la recherche de femelles, dans les lieux sauvages, mais aussi près de presque de ses habitants, dans les zones urbaines, dans un périmètre de moins de 5 km autour de Sydney. C'est pourquoi l'araignée la plus dangereuse est capable, avec ses longs crochets aussi grands qu'un cobra, de vous introduire une grosse dose de toxines qui attaque et détruit vos systèmes nerveux et le fonctionnement de vos organes. En seulement quelques minutes, les symptômes sont énormes avec des palpitations, des vomissements, et c'est ce qu'on appelle une mort mortelle.